Le chef de Red Bull, l'herbe 19 est dans la moyenne, pas fantastique. Quoi? Oh le culot. Oh, ça veut dire qu'ils ont un peu raté la voiture, ils peuvent faire beaucoup mieux. Alors imaginez les grosses merdes des autres voitures, quoi. Ce sont vraiment des daubes, hein, les autres voitures, hein, du coup. Si vraiment la Red Bull est moyenne mais pas fantastique, non mais enfin, faut arrêter, quoi. Donc c'est qui? C'est Pierre Wacher qui a dit ça, d'accord. Elle est moyennement bonne pour tout, ce qui crée une bonne voiture. Donc, elle n'est pas très bonne dans un seul aspect. Nous pensons qu'elle est bonne parce que nous sommes plus rapides que les autres. Mais fondamentalement, je dirais que nous n'avons pas fait un travail fantastique. On a fait du bon travail. Mais sans plus quoi, en gros. Wacher a ajouté qu'il s'attendait à ce que certaines équipes concurrentes fassent mieux, notamment en raison des changements obligatoires au sol imposés par les FIA. En particulier, Mercedes et Ferrari ont démarré la saison plus faiblement que prévu, tandis qu'Aston Martin a surpris de manière positive. Pff, bah non, mais là, faut arrêter, quoi. Le mec tente de nous faire croire quand même que la Red Bull est une voiture correcte sans plus. Non mais enfin, c'est un gros doigt d'honneur aux autres équipes en fait de dire ça quoi. Ça veut dire, mais vous les autres, Ferrari, Mercedes et compagnie, là, vous avez fait des daubes en fait. Vous avez fait un travail médiocre. C'est dur de dire ça franchement. Pierre Wacher me déçoit un peu là, hein, pour le coup. Bon, qu'est-ce que vous en pensez vous? Il a raison ou pas?